Bon, bah, il arrive une petite galère. J'ai visionné les images d'hier. Ma GoPro, elle s'est pris un pet. Ma GoPro s'est pris un pet. Un petit pet à l'objectif ici, là. Et du coup, bah, ça fait des ronds flous à l'image. Je sais pas si ça va le faire là, le truc. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma GoPro s'est pris un pet. Donc là, le petit objectif, il est mort. Un abonné, Daniel, je vais vous mettre hop, sa chaîne ici, m'a envoyé via les commentaires là où acheter l'objectif en question. Donc je mettrai le lien dans la description. Et puis bah, aujourd'hui on va le changer ensemble. Alors bien sûr, si je n'y arrive pas, bah, je mettrai pas la vidéo en ligne. Mais bon, voilà, ça m'a coûté 22 € avec les frais d'envoi sur Amazon. Donc ça vaut le coup. Sinon je mets la GoPro à la poubelle. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le démontage. Allez, on y va. Donc, il faut enlever ce truc-là, faire ça très doucement. Voilà, hop. Non. Ici, voilà, on fait bien attention. On fait très attention. Voilà. Donc ça, a priori, donc ici, il y a un petit joint. Voilà, on fait très attention. Alors ensuite, il faut prendre une petite pince comme ça. Et en fait, dévisser la lentille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, je sais plus comment ça s'appelle, un genre de matière, du frein, quoi. Ce qu'on utilise en plomberie, là, le truc blanc, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc il faut faire clac, 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 et hop là, ça commence à se dévisser. Donc on dévisse doucement. Tac, 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 on l'enlève. La nouvelle lentille, on la remet. Je sais pas où je l'ai mis. Donc on la remet. Voilà. Et surtout, faut faire hyper attention. Faut pas visser jusqu'au bout. Hein? Et là, on vérifie avec soit en faisant des essais, comme je vais vous montrer là tout de suite. Pas du tout ce que ça va donner. Soit avec l'application du smartphone. Alors, j'ai l'impression que ça marche. Bon, eh ben, c'est parfait. On va vérifier tout ça. Pour vérifier si ça fonctionne bien ou pas. Et puis normalement, après 2-3 réglages, je vais vous montrer juste après, ça marche. Allez, bon courage à vous. Ciao. Et voilà, bon bah j'espère que ça marche. J'ai pas filmé la réparation parce que j'ai un peu galéré. Allez, on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. On prend le camping-car et puis on va faire un petit tour dans le Morbihan, je pense. Après, bon, vu le temps, c'est pas génial. Il fait un peu froid ici. Il y a beaucoup de vent, quoi. Donc je sais pas. Peut-être qu'on ira dans le sud, on verra. Voilà, on verra quand on aura le truc. Bon, allez, à ciao!